Good morgen, allez, Yiden, les sutres aujourd'hui, le Lenishmat, Mulver, Bishmuel, Ben Shlomo, Zalman, Shlomo, Benjamin, Ben Mazal, ainsi que leur fois de Sarah, Bat Betty Rivka, Rafael Zolot, Ben Chayamalia, Myriam, Bat Rassida, Edan, Ben Yudov, Ben Yudit, Betor, Shachol Israël. Si vous citez, vous aussi, dès une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5e minute éternelle. Nous étudions la Sechet Rolin, Perek Dalet, Mishnah Zain, Ashochet et Abehema, Umatsa, Ba, Shilia, Nefesh Hayafa, Tochelena. Vena metama lo tumat ochalin velo tumat nevelot. Chishev alea metama tumat ochalin avelo tumat nevelot. Shelia shiratzta miktsata asura ba'achila. Siman valad ba'isha, siman valad ba'beima. Amevakeret shipila shelia yashlichena laklavim. Bamukdashin tikaver, ven kovrin ota beparashat drachin, ven tolin ota ba'ilan, mipene darke ha'emori. Mishnah, très simple, on va parler du placenta. La chilia, en hébreu, c'est le placenta, la poche où se trouve l'embryon dans le ventre de sa mère, de la vache. Et la question va être de savoir, est-ce qu'on a le droit de la manger? Est-ce que ce morceau de, je sais pas si on veut dire de viande, est-ce que c'est un statut de viande? Est-ce que c'est donc permis à la consommation? Est-ce que ça véhicule l'impureté? Est-ce que toutes sortes de halakhot qui sont en fait doubles? Il y a la définition propre du placenta, et à part ça, un placenta qui sort partiellement, est-ce que ça signifie qu'il y a déjà eu naissance de l'embryon ou non? On expliquera quand on arrivera dans la suite de la Mishnah. On commence tout d'abord à Shochet et Abehema au Matzaba Shilia. Celui qui fait la shrita d'une vache et qui trouve qu'il y avait dedans une shilia, donc un placenta. Et bien la Mishnah m'enseigne Nefesh Hayafa Tochelena. Nefesh Hayafa, littéralement, c'est une bonne âme. Mais une bonne âme, en fait, c'est quelqu'un qui a du caractère. En bon français, ça se dit un stoïcien, un homme stoïque qui a déterminé de faire ce qu'il faut faire, donc il a dit que c'est de la viande, il veut le manger. Ouais, c'est-à-dire de naturellement, un homme, le commun des hommes, ne mangera pas quelque chose de pareil, c'est un peu écœurant. Mais en tout cas, si lui se sent de devoir le manger et qu'il veut le manger, eh bien, il pourra le faire. Torah, c'est kasher. Il y a en cela un chidouche que le Bartanor insiste dessus, c'est le fait que Donc le placenta, il n'est pas collé, franchement, il est un peu décollé, je ne sais pas exactement comment il est relié dans le corps, mais en tout cas, on voit bien qu'une femme, une fois qu'elle couche, on retire le placenta, donc il n'est pas vraiment collé. Donc s'il n'est pas collé, vous vous souvenez, on avait appris que si on égorge un animal et qu'on découvre qu'il y avait un membre interne qui était en fait, qui était plus rattaché, eh bien, il y a un issour normalement de le manger mishum ever minachai, d'arracher un membre vivant. Là, cette fois-ci, la chilia, donc le placenta, même s'il n'est pas collé franchement, malgré tout, il n'est pas mis à la consommation. D'accord? Ça, c'est donc Venefeshayat Fatochelena. Il aura le droit de le manger. Maintenant, on va voir des halakhot de pureté. Je lis tout d'un coup et je traduis, puis après on explique. Vena metam a, et elle ne va pas véhiculer d'impureté. Lotum atochalin, ni parce que c'est une impureté véhiculée par la nourriture, et ni velotum atnevela, et ni une impureté véhiculée par un animal déchiqueté. Tandis que si Richev aléa, si elle a pensé à elle, à la consommer, c'est-à-dire qu'elle avait prévu qu'elle allait la manger, alors dès lors, Metam Atumato Khalin, elle rendra impure, c'est-à-dire le placenta, il rendra impure Tumato Khalin, l'impureté véhiculée par les aliments, Avalo Tumat Nevelot, mais pas l'impureté véhiculée par les animaux déchiquetés. Et on explique de quoi on parle, c'est très simple de nouveau. Il y a une halakha, tout d'abord, la nourriture. Pas tout ce qu'une personne impure va toucher va devenir impur. Pour devenir impur, il y a des statuts. Soit c'est un ustensile, soit c'est de la nourriture. Et si toutefois il y a quelque chose qui n'est pas mangeable, ou bien on a même vu pour la nourriture par exemple, tant qu'on ne l'a pas mouillée pour le moment, elle n'est pas encore. Un fruit par exemple, qui n'a pas encore été lavé, eh bien il ne véhicule pas d'impureté. Même il va y avoir quelqu'un d'impur qui va venir le toucher. Le fruit, il va pas devenir impur parce que pour le moment, il n'a pas encore vraiment un statut de fruit. Tant qu'il n'a pas été mouillé, c'est explicite dans le Torah. D'accord? Donc, pour véhiculer l'impureté, il faut nécessairement être un aliment. De ce fait, maintenant, ce placenta, alors on a dit que naturellement, le commun des hommes, il en est écœuré, alors il n'a pas envie de le manger. Donc, il va le mettre à la poubelle. S'il va le mettre à la poubelle, eh bien, ça n'a pas un statut de chair, de viande d'animal. Et de ce fait, si ça reçoit une impureté, si on va le toucher, eh bien, il ne va pas devenir impur. Quel est l'intérêt? C'est que si j'ai touché ce placenta, et puis après, il y a eu une pomme pure qui est tombée sur le placenta, est-ce que la pomme elle est devenue impure? Parce que l'impureté se communique d'un à l'autre.
d'un alignement à l'autre. Ça fait, bon, ça baisse le degré d'impureté, mais en tout cas, ça peut se communiquer. En théorie, s'il y avait une pomme impure qui a touché ensuite, je sais pas moi, qui a touché, on va dire, un liquide, de l'eau, eh bien l'eau, elle est devenue impure. Ou le vin, il est devenu impur. Il y a des halakhot, même il y a une marloquette, est-ce qu'un aliment peut impurifier un aliment? Selon l'avis qui pense que ça peut impurifier. Alors vous voyez, on a véhiculé l'impureté à un aliment, l'aliment va toucher ensuite un autre aliment, il va le rendre impur. Là, on a l'avantage que pour le moment, le placenta, il n'a pas un statut de viande, étant donné qu'on n'a pas l'intention de le manger, on va logiquement le mettre à la poubelle, donc même s'il est impurifié, il ne véhiculera pas l'impureté, premièrement. Et deuxièmement, si l'animal, la mère, elle a été déchiquetée, donc elle est morte sans shrita, en théorie, elle véhicule une impureté. Eh bien, c'est vrai, elle véhicule l'impureté, mais le placenta ne véhiculera pas d'impureté, lui. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est pas de la chair. Ça ne fait pas partie de la viande, c'est pas quelque chose qui est mangeable. Tandis que Chishev Aléa, s'il a eu l'intention de le manger, ce placenta, donc là, par sa marshava, par son intention, il va rendre que ce placenta, c'est devenu un aliment. Alors là, on va gagner, mais, enfin, ou perdre, mais à moitié uniquement. C'est-à-dire, dès lors, s'il va y avoir quelque chose d'impur qui va le toucher, il va le rendre impur. Mais, malgré tout, si la mère a été déchiquetée, ce placenta n'aura malgré tout pas un statut d'aliment. Il n'aura pas un statut de chair, d'animal déchiqueté qui véhicule l'impureté. Ce que la Mishnah nous dit, regardez, Richel Valéa. Donc, s'il a eu l'intention, il a pensé à elle, c'est-à-dire, il a l'intention de la consommer, Metam'a Tumatochalin, elle véhiculera l'impureté des aliments, c'est-à-dire, elle est apte à devenir elle-même impure désormais, et donc, si elle deviendra impure, elle pourra ensuite communiquer à d'autres éléments. Avallotumatnevelot, mais elle ne véhiculera pas l'impureté de la nevela, qui est une plus grave impureté, donc de l'animal déchiqueté. On continue. Maintenant, on va parler d'un nouveau, toujours autour du placenta, mais avec une petite nuance cette fois-ci, à savoir, est-ce que lorsque le placenta va sortir partiellement, imaginez que vous avez une vache, et puis, je sais pas, l'accouchement s'est mal passé. D'un coup, on voit de sa matrice sortir un bout du placenta. Et la question de la Mishnah maintenant est de savoir s'il y a eu un bout du placenta qui est sorti. C'est que dedans, il y a un petit veau, un futur veau, un petit fœtus, même comme on va voir, qui peut être complètement décomposé. Il peut même être liquide tellement qu'elle a été décomposée. Mais malgré tout, si un fœtus, alors là, ça va influencer pour plusieurs halakhot. Est-ce qu'on pourra manger encore le placenta ou le contenu? Est-ce qu'on pourra. Toutes sortes de halakhot qu'on va voir tout de suite, d'accord? Est-ce qu'on va considérer qu'il y a une naissance? Et je vous vends tout de suite à la mèche, comme ça sera plus facile ensuite à lire. C'est qu'effectivement, on va se dire que peut-être que dans le petit bout qui est sorti, même si ce n'est pas du tout majoritaire, mais on avait appris que dès que la tête, elle est sortie, même la majorité de la tête, on considère qu'il y a une naissance. De ce fait, vous savez, pendant que l'embryon, il est en pleine création et développement, il va mesurer au début quelques petits centimètres, même pas quelques petits, même millimètres. Donc imaginez qu'il fait pour le moment 12 centimètres. Et on a eu finalement la poche du placenta qui est sortie de 4 cm. Mais peut-être que là-dedans, il y a déjà eu le front et jusqu'au nez qui est sorti de tout ce petit embryon. Et de ce fait, ça s'appelle qu'il y a déjà eu une naissance. Et s'il y a eu une naissance, ça change tout le statut. Comme ce qu'on va voir tout de suite, regardez. Shelia Sheyatzeta Miktsata. S'il y a eu un placenta qui est sorti partiellement. Asura Ba'achila. Dès lors, la chilia ne pourrait plus être consommée. Étant donné que l'animal, il est né, le placenta, alors là, je ne connais pas exactement quel statut aura le placenta, mais puisque c'est un placenta qui est né partiellement, qui a été. Tout ce qu'on a vu, c'est que lorsque j'égorge la mère, j'ai le droit de manger le placenta. Mais si un placenta qui tombe, naturellement, je n'ai pas le droit de le manger, lui. C'est comme un verminachai. Donc, je n'ai pas le droit de le manger. Donc là, maintenant, la question est de savoir s'il est sorti partiellement, et après, j'égorge la mère. Et je veux manger le reste du placenta qui reste à l'intérieur. Est-ce que j'ai le droit de le manger? Réponse, ben c'est simple. Comme ce qui se passe avec le petit veau qu'on avait vu là-haut, qui a sorti une patte ou pas. S'il y a eu naissance, tu as le droit de manger ce qui reste à l'intérieur. S'il n'y a pas eu naissance, tu as le droit de manger. Là, cette fois-ci, tu ne sais pas. Parce que peut-être que dans ce petit bout qui est sorti, il y avait déjà la majorité de la tête qui est sortie. C'est un tout petit embryon. Même si après tu vas prendre la chilia, le placenta, tu vas l'ouvrir, tu vas chercher, tu vas même pas trouver de veau. Ça va être tout dans un liquide gluant, désagréable, qu'il va y avoir à l'intérieur, et pas tout simplement, on va dire, bah, peut-être qu'il y avait dedans un petit veau, mais qui a fondu, qui s'est complètement décomposé. Vous savez que ça peut se décomposer. D'accord?
Donc, Shilia, Shiat, Stam, etc. Un placenta qui est sorti partiellement. Asura Bachina. Dès lors, elle sera interdite à la consommation. Il sera interdit à la consommation, le placenta. Pourquoi? Parce que Siman Valet de l'Aïcha, il est signe de naissance pour une femme, et les signes Vesiman Valet de Babéhema, il est signe de naissance pour un animal. C'est-à-dire, c'est un placenta qui est sorti, on craint qu'il y ait eu dedans un enfant, un fœtus. Hamevakeret, et encore une autre conséquence, Hamevakeret chez Pila Shilia. S'il y a eu une ouverture de matrice qui s'est faite avec une chilia qui s'est avérée vide. C'est-à-dire, il y avait une petite génisse qui est née il y a quelques, peu de temps, je ne sais pas combien de temps ça prend, jusqu'à présent elle est devenue jeune adulte et elle a sa première couche. Donc en théorie, si il y a dedans un mâle, un petit veau, eh bien il y aura un statut normalement de Bechor. D'aîné, qu'il faudra, il y aura une doucha, la doucha de Bechor, comme ce qu'on a déjà évoqué, qu'on verra dans la prochaine Maseret, ce sera Maseret Provot. D'accord ? Donc, s'il y a un statut d'aîné, en théorie, la Chilia qui est sortie maintenant, elle a une doucha. Seulement, on ne sait pas est-ce qu'elle a une doucha ou pas. Pourquoi ? Parce que peut-être que c'est un garçon, peut-être c'est une fille, peut-être c'est un mâle, peut-être c'est une femelle. Si c'est une femelle, il n'y a pas de doucha. Ouais, la doucha, c'est que quand c'est le Bechor. Comme on fait nous le Pidjan Aben, pour les animaux aussi, il y a une doucha dans le Bechor. Et maintenant, peut-être que finalement, c'est ni un garçon, ni un mâle, ni une femelle, mais c'est tout simplement, ça arrive des fois qu'il y a un placenta vide. Donc peut-être qu'il n'y a aucune essence. Donc, étant donné que la Alpia Rove, selon la majorité de la logique, la probabilité la plus logique, elle est qu'il n'y ait pas eu dedans de Bechor, ouais, eh bien, dans le doute, on va selon la majorité, et on va dire que dans ce cas-là, il n'y a pas une essence de ce fait. Amevakeret. Chez Pila, chez Lia, s'il y a eu une première couche, donc une première couche de la vache, qui a eu, donc qui a fait sortir une chilia, un placenta, eh bien, il y a Shlichena la clavim, sache que tu as le droit de récupérer cette chilia et de la donner à manger au chien. Ok? Parce qu'il n'y a pas de gdoucha dedans. À la différence de Ubamugdashin Tikaver, si toutefois c'était juste un animal qui était kadosh, c'est-à-dire par exemple, c'était un shlamim, que le shlamim il peut venir avec les nekevot, les femelles, à la différence de là ou là que c'est que des mâles. Donc si c'est un des mugdashim, c'est par exemple un korban shlamim, où il peut y avoir là-bas une femelle, d'accord, donc c'est l'animal lui-même, le korban lui-même, il peut être une femelle, donc une vache, qui va ensuite m'accoucher un petit placenta, qui peut y avoir dedans un veau, une génisse, mais il faut savoir que quoi qu'il arrive, l'animal il sera kadosh, ce qu'il y a dedans. Ouais, donc la plus grande probabilité maintenant, c'est qu'il a effectivement un embryon à l'intérieur, un fœtus à l'intérieur, donc c'est kadosh. Puisque c'est kadosh, il va falloir l'enterrer. C'est ce que la Mishnah m'enseigne. Bamugdashin tikaver. Si toutefois c'était un animal qui était kadosh, qui avait une doucha, parce que c'est par exemple un korban shlamim, eh bien tikaver, il faudra enterrer. On n'aura pas le droit de tirer profit de ce qu'il y a, parce que peut-être que c'est un bechor qui est mort tel quel, donc il faut enterrer. Ve'en kovrin otab et parashat drachim. À part ça, maintenant, deux superstitions interdites. Premièrement, on ne l'enterrera pas dans un carrefour, là où la route se sépare, ce qu'on appelle une parasha de drachim, et là où les drachim sont nifrachim, hein, il est poresh, il se sépare de l'autre. Donc, on l'enterrera pas dans un carrefour, ventolinota bailan, et on ne pourra pas non plus l'accrocher, ce placenta, sur un arbre, parce qu'il y avait une superstition à l'époque de faire ces deux rituels, un ou l'autre, pour mériter que les forces démoniaques vont nous aider, que l'animal ne va plus avoir de fausse couche. D'accord ? Donc c'était de la superstition, et ça s'interdit à faire à cause de Mipenei Darkei Haemori, à cause des usages, des rituels, des Emorim, qui étaient en Israël, qui est Nichouche, il écrit le Barthénois. Il y a un interdit de la Torah de se conduire de toutes les superstitions de manière générale. Elles sont toutes interdites, étant donné qu'elles ne sont pas fondées du tout par la Torah. C'est des fausses croyances. Il y a un interdit explicite de la Torah, plusieurs interdits explicites, même l'otena chashu, l'otena nou, il y a toutes sortes d'interdits. Et en l'occurrence, là, il y en a un autre qui s'appelle l'otase, qui est ma ACM. On n'a pas le droit de se conduire comme ce que les Emorim se conduisent avec leurs fausses croyances. On a bon Hachem, une Torah temet chez nous. Et on fait ce qu'il faut faire, et on prie Hachem, et comme ça, on réussit sans jamais se mettre à avoir peur du sel qui se renverse sur la table, ni même de s'asseoir sur la rangée 13 dans les avions, et ainsi de suite. D'accord ?
C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov. Salam.